Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais ici vous souhaiter tous mes voeux les meilleurs de santé, de prospérité, de bénédiction, de grâce abondante et de paix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, prophète Elie Pada. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur. Et quelqu'un ici m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. J'ai vu la vidéo et dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. Ils étaient complètement débités de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps du Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent pour moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté, je ne suis pas à la maca, je ne suis pas dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange, qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Ma secrétaire reçoit tout temps des appels téléphoniques, de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, ils ont mon numéro personnel. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui c'est au téléphone? Je ne sais pas. On rappelle sur les numéros ne passent pas. Bien-aimé, je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Jésus m'a enlevé très très loin. Avant, j'étais de ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et croyaient que leur salut était dans le monde, dans le péché. Jésus m'a ramassé de la boue et il m'a accordé sa grâce. De là où Jésus m'a sorti, je lui dois tout. Je lui dois entièrement ma vie. Et il m'a dit, je t'ai sorti de là pour que tu puisses faire connaître ma voix aux nations. Je ne parle contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis apolitique. On ne m'a jamais vu avec un homme politique. On ne m'a jamais vu avec une organisation politique. Jamais. Alors là, je me tiens loin de tout ça. Je ne veux même pas avoir d'affinité avec personne. À cause du mandat divin qui est sur ma vie, de la mission qu'il m'a confiée. La mission que je détiens de lui.
qui est de rendre son message sans compromission. Donc, ce qui fait que je ne suis affilié à aucun parti. Alors, je suis ivoirien. C'est vrai, je suis prophète, mais je suis ivoirien. Je suis père de famille, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai une communauté. Et je ne sais pas quels sont ceux qui font ces menaces. Pourquoi ces menaces? Pourquoi ma vie est menacée? Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dû quitter ma maison précipitamment pour me retrouver ailleurs. Avec une femme à l'époque enceinte. Je dis bien avec une femme enceinte. Et aujourd'hui, ça continue et ça va en s'empirant. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je viens à la veillée du 31. Vous savez, j'aime le Seigneur éperdument et profondément. Comme je vous ai dit, Jésus, c'est toute ma vie. À cause de l'histoire que j'ai avec lui et à cause d'où il m'a sorti. Frère, le 31, je devrais être à cette veillée. Dites-moi, quel pasteur qui va organiser une traversée, quitter le lieu où il fait initialement le culte, c'est-à-dire qui est dans l'enceinte du Sénepsi, que vous connaissez tous, qui est situé à Yopougon, au sable, au feu du premier pont. Quel pasteur qui va quitter initialement son lieu de culte, sa base, pour aller prendre un grand terrain? Quelle est cette personne qui va investir tant de moyens dans cette traversée? Qui va mettre plus de 5000 chaises et les gens vont venir de partout, depuis 5 heures du matin. Les malades vont venir de partout. Des vieilles femmes, des mamans d'un certain âge qui ont vu en Jésus-Christ leur guérison. Qui vont se déplacer pour venir. Et l'homme de Dieu délibérément ne va pas venir à cette traversée. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Je ne suis pas aussi cruel que ça. Dieu connaît mon amour pour son œuvre. Et je pense que certains parmi vous qui m'écoutent, qui me côtoient, qui côtoient la cité de Dieu, ou qui regardent ces yeux-là, peuvent témoigner de l'amour que j'ai pour Dieu, que je sais avec fougue, avec zèle. Donc je ne peux pas déplacer toutes ces personnes et puis ne pas délibérément venir. Je ne suis pas venu parce que ma vie était menacée. Oui, ce 31, ma vie était menacée. J'ai voulu forcer pour venir, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle maintenant clairement à moi, à travers une vision pour me dire, voici, des gens sont là et qui attendent de mettre la main sur toi. Qui sait, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas du tout. C'est la mort dans l'âme. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, ne te rends pas à cette veillée. C'est la mort dans l'âme que j'ai dû me résoudre à ne pas venir à cette veillée. Et c'est comme ça qu'il va me dire, n'entre en contact avec personne de ton staff. Je te dirai où tu dois aller. Tu resteras là et tu seras devant ma face jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. Tu seras devant moi
Tu te tiendras devant moi dans la prière jusqu'à ce que je te donne d'autres instructions. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu à cette veillée et je n'ai contacté aucun de mes responsables. J'imagine probablement le désarroi, la détresse dans laquelle ils étaient. Je peux comprendre ça. Mais c'était indépendamment de ma volonté. Quelles étaient ces personnes, je ne sais pas. Je voudrais simplement vous dire, et je le répète encore, le gouvernement ne m'a pas jeté en prison. Non, pas du tout. Je ne suis dans aucun bâtiment de la MACA, je ne suis, non, pas du tout. Le gouvernement n'a émis aucun mandat, aucune plainte contre moi. Non, pas du tout. Je tenais à rétablir ce fait-là. À dire que je n'ai pas reçu une plainte quelconque venant du gouvernement. Non. Mais, je répète, ma vie est en danger. Ma vie est en danger. Qui je dérange, je ne sais pas. Qui je dérange, je ne sais pas. Je voudrais dire à mes pasteurs, mes collaborateurs, à l'Église, la Cité de Dieu, à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les hommes de Dieu qui, par solidarité, solidarité dans la foi commune que nous partageons en Jésus-Christ, qui ont fait des postes pour exprimer leur solidarité, leur soutien à leurs amis, leurs frères, leurs collègues que je suis, que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous bénisse au centuple. Vous, vos familles et vos communautés. J'espère que Dieu me permettra de retrouver une vie normale. Je m'étais retiré à un moment donné, pendant près de 90 jours dans la présence du Seigneur. J'étais revenu joyeux pour bénir mon peuple, traverser avec eux. Toutes les églises ont eu traversé. Moi, j'ai été contraint de ne pas me rendre là-bas à cause de certaines menaces dont je ne sais la provenance et dont le Seigneur m'en a donné certitude. Et dont j'ai même les preuves. Je ne prophétise contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis, je répète, prophète du Seigneur. Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Malheureusement, je suis prophète. Ou heureusement, je suis prophète. Ce qui fait que si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, évidemment, Dieu va venir révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes. Soit en bien, soit en mal. Mais avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, Dieu va le révéler à ses prophètes. Est-ce à cause de cela que ma vie connaît toutes ces menaces? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je rends grâce à Dieu qui, dans sa bonté, me tient. Je rends grâce à Dieu qui, dans sa bonté, me garde. Alors, je ne voudrais pas que les gens s'alarment pour aller dans tous les sens et dire « je suis détenu ici, je suis détenu là, voici ce que le gouvernement a fait, etc. et autres. » Pas du tout. Il y a une réelle menace qui plane sur ma vie, qui plane sur moi. J'espère que Dieu permettra qu'on ait tous le fin mot de cette histoire. Je vais m'arrêter là. C'est la vidéo que mes responsables ont fait qui circule, qui m'a fait sortir pour rétablir les choses. Au moment opportun, comme le Seigneur m'a dit, tu ne te rends pas à cette veillée. Va là où je vais t'indiquer.